Gels fans. Les contes de fées se terminent toujours bien. Les héros sont lavés de tout soupçon et on leur rend tout ce qu'ils avaient perdu. Ils peuvent enfin célébrer leur retour avec tous ceux qu'ils aiment. Silence, nous voudrions vous parler. Le professeur et moi-même avons décidé que tout était oublié. Vous vous occuperez à nouveau de vos humains. Concernant Romain, nous comptons sur vous pour le guider. Et aussi le tromper. Mais d'abord, vous devez écouter attentivement ce que nous avons à vous dire. C'est de la plus haute importance. L'être sans scrupules qui a forcé Raph et Sulfus à commettre le sacrilège par ses manipulations s'est échappé. Notre ennemi est libre. Oui. Votre ennemi immortel est en liberté. Elle s'appelle Reina. Nous allons vous raconter son incroyable histoire. Vous avez prévu les pop-corns? Désolé, Gas. Nous ne sommes pas au cinéma ici. On dirait bien pourtant. Vous connaissiez l'histoire de cette femme depuis longtemps? Pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Parce qu'on ignorait qu'elle s'était engagée sur un chemin aussi sombre et dangereux que celui-là. Nous ne savons pas si notre récit est exact. Personne ne l'a jamais confirmé. Nous nous contenterons de vous faire part de la légende telle qu'on nous l'a apprise. L'histoire commence à Paris, à la fin du 19e siècle. Il se passe des choses passionnantes ces jours-ci. Vous avez vu ce spectacle? Oui, il est magnifique. Pourquoi l'alchimiste veut-il me rencontrer en plein jour et dans un lieu aussi public que ce parc? La raison est très simple. Si nous nous rencontrons en plein jour, personne ne le remarquera. Et nous ne voulons pas nous faire remarquer, n'est-ce pas, mon cher? Non, non. Je tenais particulièrement à vous voir, jeune homme, parce que je pense que vous avez sérieusement besoin de mes services. Tout à fait, monsieur Malakai. N'utilisons pas de nom, appelez-moi simplement professeur. Comme vous voulez, professeur, j'ai un problème. Et je voulais savoir si vous pourriez me fabriquer une potion. Je me doutais bien qu'il s'agissait d'une affaire de cœur. Mais comment avez-vous deviné? Oui, je suis tombé amoureux d'une merveilleuse jeune femme qui ne me remarque même pas. Et vous attendez de moi que je fabrique un filtre d'amour pour la forcer à tomber amoureuse de vous? C'est à peu près ça, parce que je suis sûr qu'elle sera très heureuse avec moi. Cette attention est tout à votre honneur, monsieur. Vous allez m'aider, oui ou non? Je vous paierai grassement. Je ne serais même pas venu si vous ne pouviez pas me payer. C'est oui, je vous aiderai, c'est mon travail après tout. C'est formidable, je l'aurai quand? Bientôt, très bientôt. Faites-moi confiance, je suis habitué. Mes filtres d'amour sont extrêmement efficaces. Merci infiniment pour votre aide. Séparons-nous. J'aimerais admirer la tour Eiffel. Alors ça recommence? Il a de nouveau accepté de fabriquer un filtre d'amour? Il ne faut pas t'inquiéter, Reina. Notre Malakai adore faire des choses interdites. Tu te trompes sur son compte, Zebel. Malakai était un grand scientifique avant. Il était un des meilleurs à Paris. Il faisait de belles choses dans le monde entier. Et aujourd'hui, il en est réduit à fabriquer des potions pour forcer les gens à agir contre leur gré. Quelle tristesse! Il a toujours été très doué dans son domaine. Ce n'était qu'une question de temps. À présent, il est enfin devenu un vrai alchimiste. Je dois y aller, mais j'ai hâte d'assister à ta prochaine défaite, mademoiselle. Pauvre Malakai. Il va de moins en moins bien depuis son accident, et je n'ai rien pu faire pour l'aider. Si Zebel continue à l'éloigner du droit chemin, on le perdra pour toujours. Je me sens tellement responsable. Je ne resterai pas les bras croisés. Il faut que je trouve quelque chose. Il a énormément changé depuis que sa femme a disparu.
Son cœur n'éprouve plus que douleur et ressentiment. Il est temps de passer à autre chose. Il a besoin de quelqu'un qui l'aime. Si seulement il savait comme moi je l'aime. Non, je n'ai pas le droit de l'aimer. Un ange n'est pas autorisé à tomber amoureuse d'un humain. Encore un peu de temps, et le filtre d'amour sera prêt. Ensuite, je le donnerai à René. J'ai hâte de voir sa tête quand il saura ce que j'ai inventé pour lui. Mais si jamais il tombait amoureux de moi, je pourrais le convaincre de cesser une fois pour toutes de créer ses potions. Ce serait une bonne chose. Allons manger pendant que le filtre refroidit. Je peux me servir de ce filtre. Je suis sûre qu'une goutte suffirait. Une seule goutte, et tu m'aimeras pour toujours. Je dois le faire. Pour le sauver et pour sauver notre amour. Scarab! Tais-toi, ma décision est prise. Tu dois faire ce que je te demande, tu n'as pas le choix. Active la métamorphose! Et je protège! Tout ira beaucoup mieux quand je l'aurai fait, je le sens. Une seule goutte, une seule suffit. Ah, j'ai toujours beaucoup d'appétit après une séance d'alchimie. Qui me dérange en plein dîner? Ah. C'est bon, j'arrive. Eh bien, qu'y a-t-il donc de si urgent? Je vais y arriver. Ah, encore ces sales mondes du quartier. J'espère qu'ils me laisseront manger en paix. Et voilà. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Reina, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi es-tu dans cette maison? Mon septième sens m'avait prévenu qu'il allait se passer quelque chose d'interdit. Ce ne sont pas tes affaires, sors tout de suite! Tu es sous ta forme humaine, Reina. Et Malakai a l'air mort, ça me regarde. Il n'est pas mort. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Détends-toi, mon cher, tout va très bien. Qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer chez moi? Tu n'es pas amoureux de moi? Et pourquoi je serais amoureux de vous? On ne s'est jamais rencontrés. Mais le filtre! Tu lui as fait boire sa propre potion? Tu es folle ou quoi? Tais-toi! À qui parlez-vous? Vous êtes bizarre. Malakai, ta potion n'a pas fonctionné. Tu as vraiment cru que c'était aussi facile de faire tomber amoureux de toi un humain? Tu es naïve, ma pauvre. Ces potions ne fonctionnent que lorsque les gens se sont déjà rencontrés. Ça ne marche pas sur des gens qui ne se connaissent pas. Je ne veux plus t'entendre! Scarab, active la métamorphose inversée! Oh, mais qu'est-ce que... Tu t'es transformé devant un humain! Non, mais tu as perdu la tête ou quoi? Quoi que tu dises, Malakai sera à moi. J'ai décidé que le scientifique et moi, nous nous aimerons pour toujours. Rien ne pourra m'arrêter. Qu'est-ce que tu comptes faire? Stop! Je me demande où tu vas avec cet air décidé. Je vais au château chercher le portrait de Malakai. Mais il ne pourra plus prendre ses décisions par lui-même. Il n'obéira qu'à moi, à jamais. Tu es folle. Tu as l'intention d'en faire ton esclave. Tu vas commettre un sacrilège. Ça ne te regarde pas. Tu te trompes. Malakai est mon humain, et je ne te laisserai pas le transformer en esclave juste pour le plaisir. Tu ne peux pas m'arrêter. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Pouvoir de la corde. Non. Je t'ai prévenu. Tu n'as pas le droit de voler le portrait de Malakai. Tu n'arriveras pas à m'arrêter. Pouvoir électrique. J'y suis presque. Arrête-toi. Si tu décides de franchir cette porte, Reina, tu ne pourras plus jamais revenir dans notre monde. Je le sais, mais je n'ai pas l'intention de revenir.
Je t'ordonne de tomber amoureux de moi. Le vol de ce portrait constituait un sacrilège sans précédent. Qu'est-ce qui est arrivé à Reina? Elle fut condamnée à purger sa peine dans les ténèbres. On lui mit des chaînes et un masque pour couvrir son visage. En théorie, rien ne pouvait la faire sortir de sa cellule ni la libérer de ses chaînes. Rien. Sauf un nouveau sacrilège. C'est pourquoi elle vous a manipulé afin que vous vous embrassiez. Votre baiser représentait le sacrilège qu'elle attendait. Elle est libre maintenant? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'alchimiste? La légende dit qu'il vit comme un esclave aux côtés de Reina depuis ce jour. Elle le forcerait à obéir à ses ordres, il ne se souviendrait pas du passé et serait condamné à l'aimer pour toujours. Mais finalement, Reina n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Non, tu as raison, Ourier. Non seulement elle fut bannie et passa toute sa vie dans les ténèbres, mais elle fut aussi expulsée du clan des anges pour toujours. Elle a bien essayé de faire partie des démons, mais le sacrilège qu'elle avait commis était beaucoup trop grave, même aux yeux des démons. Plus personne ne voulait entendre parler d'elle. En d'autres termes, elle n'est ni un ange ni un démon. C'est pourquoi nous l'appelons l'être impartial. Elle nous méprise tous autant que nous sommes. Elle nous rend responsables de son emprisonnement dans les ténèbres et de son existence misérable entre deux mondes. Cette histoire est triste. Mais professeur, je comprends pas comment elle a fait pour ouvrir la porte toute seule. C'est bizarre, il faut un ange et un démon pour ouvrir la chambre des portraits. Un système de fermeture a été installé après cette mésaventure. Il n'y en avait pas avant qu'elle y entre. Pour des raisons de sécurité, on a décidé qu'il fallait la présence simultanée d'un ange et d'un démon pour l'ouvrir. Cette chambre est la pièce la plus importante de notre école. Ce qui est à l'intérieur est très précieux. Nous devons la protéger de vols éventuels. Par conséquent, ni ange ni démon n'y pénètrent seuls. J'attire votre attention sur un autre élément. Nous ne connaissons ni l'un ni l'autre l'aspect de Reina, ni celui de son serviteur. Nous sommes incapables de vous les décrire. Soyez vigilants, chers élèves. Il pourrait être n'importe où. Vous devez rester sur vos gardes. Ma reine, souhaitez-vous entrer dans l'école? Non, Malakai. Je n'irai pas à leur rencontre. C'est eux qui viendront vers moi. Le démon.